सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता चार दीवारी में शगुन के इस बुलवारे में उम्र भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की à demain. Ok. Tu dois lui demander l'heure et le lieu. Qu'est-ce que tu fais? Ma sœur, as-tu mis tes gouttes? Non, je le ferai avant d'aller au lit. Attends. Tiens. Dépêche-toi. Les desserts sont meilleurs après le repas. Je ne peux plus rien avaler. Virendra, as-tu dit quelque chose? J'ai parlé à Monsieur Setia. Il a demandé qu'on appelle le prêtre si nous sommes déjà prêts et de fixer avec lui une date pour les fiançailles. Vraiment? Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. En effet. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter alors? Ma sœur, je pense que tu t'inquiétais vraiment pour moi. Tout ira bien à présent. Sanchi se mariera au bon moment et elle sera heureuse pour toujours. J'espère que ça se passera comme ça. Mais dans tous les cas, je sais que tout se passera bien. Je n'aime pas vraiment quand ils se promènent ensemble, avant le mariage tous les deux. Après les fiançailles, Sanchi pourra rencontrer Ariane autant qu'elle voudra. Je ne l'arrêterai pas. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Écoute, j'aurai besoin de ta voiture demain, d'accord? Bien sûr, où vas-tu? En fait, mon amie Mira arrive de Mumbai. Je vais lui faire visiter. Je pensais faire un tour à la foire artisanale sur le chemin du retour. C'est bien. On se voit où? Au centre d'exposition. J'ai entendu dire que là-bas, on y trouve le meilleur de l'artisanat de Jaipur. C'est une très bonne idée, Tanu. Rendez-vous demain au centre d'exposition. À 10h? Ok. Bye, à demain. Bye. Bye, beau-frère Ariane. Ouais, ouais. Es-tu folle? Idiote. Mon Dieu, s'il vous plaît, délivrez-moi du mal. Délivrez-moi du mal, mon Dieu. Délivrez-moi du mal, mon Dieu. Vous ne trouvez pas la veine, hein, mon fils? Je suis une vieille dame. Prenez votre temps, vous en trouverez une. Autour de Madame Nelima. C'est elle. Finissez avec tous les autres. Attendez. Je ne veux pas le faire. Tout va bien. Tu sais que j'ai peur. Je suis avec toi, allez. Oh. Respire profondément. Ça va aller. Ah, voilà, c'est fini. C'est fini, calmez-vous. Le suivant est Mansour. Mansour? Mais où est Mansour? Il était juste là. Je me demande bien où il est. Oh oh, la peur l'a poussé à se cacher quelque part. Mansour? Mansour? Écoute-moi bien. Laisse-moi te dire très clairement que tu dois venir faire tous tes tests sanguins. Délivrez-moi du mal! Délivrez-moi du mal! Mon Dieu, délivrez-moi du mal! Va le chercher. Il doit être caché dans un coin. Oui. Oh mon Dieu, aidez-moi! Mon Dieu! Tu l'as trouvé? Non, mon oncle. Ah, alors où est-il? Mon frère, je l'ai cherché partout. J'ai aussi regardé en haut, il n'y est pas. Nulle part.
Attendez, et sous le lit de maman? Ah oui. Sous le lit? Oh! Délivre-moi du mal! Viens. Allez, sors de là. Non, merci. Je suis bien ici. Sors de là tout de suite. Tu pourrais y retourner après avoir donné un échantillon de sang. Je ne suis pas malade. Pourquoi devrais-je faire des examens? Pour ne plus jamais tomber malade. De toute façon, il est important de faire ses tests sanguins tous les 6 mois pour avoir une idée de son état de santé actuel. Ça n'est vraiment pas la peine. Mansour, sors de là, enfin. Tu te comportes comme un enfant peureux. Maman, je suis désolé. Je ne sortirai pas. Pas d'ici aujourd'hui, en tout cas. Elle ne veut pas écouter. Eh bien, nous allons utiliser la manière forte. Non, non, arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, je vous dis? Vous êtes des violents, arrêtez! Oui, nous le sommes. Mais on fait ça pour ton bien. J'ai fait la promesse à ta mère de toujours prendre soin de toi. C'est bon, ne le tirez plus. S'il sort de là entièrement, il s'enfuira à nouveau. Je suis désolé de devoir vous demander ça. Vous devrez prendre l'échantillon de sang dans cette position. Pas de problème, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Évidemment, vous allez avoir un problème. Et moi aussi, j'en aurai un. Mansour, tais-toi. Ne bouge plus. S'il ne trouve pas la veine du premier coup, ils perceront au plus profond pour en trouver une autre. Quoi? Délivre-moi du mal, mon Dieu, délivre-moi. Délivre-moi du mal, mon Dieu, délivre-moi. Délivre-moi du mal, mon Dieu, délivre-moi. Je suis mort. Ils m'ont tué. Je suis mort. Un honnête homme a été tué. J'imagine même pas lors d'une opération. Lâchez-moi. Allons, mon fils. Celle-ci? Non, pas ça. Celle-ci? Pas cool. C'est trop sombre. Ça, c'est n'importe quoi. Pas de contraste, pas d'harmonie, pas une seule belle tenue. Arrête un peu, toutes mes tenues sont belles. Tu deviens folle. Écoute, je vais mettre celle-ci. Il n'en est pas question. Mais pourquoi tu ne comprends pas? C'est votre tout premier rendez-vous. Il faut que tu sois fabuleuse. Laisse tomber. Ce n'est pas vraiment un rendez-vous, c'est juste une rencontre normale. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire un plat. Mais... Et alors? Même si c'est le cas, tu ne dois pas être ennuyeuse. Beau-frère Ariane doit être tout excité à l'idée de te rencontrer. Comment se sentirait-il face à ton manque d'intérêt? Ma sœur, Shakespeare disait, la mariée est celle qui est aimée par le marié. Quoi? C'est vraiment de Shakespeare, ça? Oh, peu importe, ça a quand même du sens. Ok, je suis d'accord avec toi. Dépêche-toi de me dire ce que je mets. Que dois-je mettre? T-shirt? Voilà. Je vais mettre cette chemise. Non. J'ai pas donné une super impression en portant ce style de chemise la première fois, j'étais ennuyeux. Je ne peux pas porter ça. Une veste? Non. Celui-ci est cool. Je vais porter ça. Dis-moi, comment je suis? Dis-moi, Tanou. Tu es fantastique. Je suis sûre que tu vas rendre beau-frère Ariane fou de toi. Tu es folle. Sanchi, écoute. Waouh. Tu es très jolie. C'est bien que tu sois prête. Écoute, ta tante va rencontrer son amie et ensuite aller au marché. Va avec elle. Je ne pourrais pas y aller, maman. En fait, je dois sortir. Où vas-tu? Maman, ma sœur va à l'université, ma tante. Et moi, je ne peux pas y aller, j'ai un examen demain. Et donc, je dois étudier. D'accord, je vais y aller avec elle. Maman? Pourquoi est-ce que tu as menti à maman? J'aurais pu au moins lui dire la vérité. Et s'il arrivait que ma mère apprenne la vérité? Non, non. Nous ne devons pas prendre ce risque, ma sœur. Réfléchis un peu. Si tu t'étais rétractée pour aller au marché avec maman, beau-frère Ariane se serait senti mal, pas vrai? Mais Tanou... Grande sœur, tu aimais tellement l'aventure avant. Tanou, partir en moto avec des amis est une aventure différente.
allée toute seule secrètement rencontrer un garçon que tu es censé épouser. C'est vraiment différent. Tu ne peux pas comprendre. Grande sœur, on a peur quand on est amoureux. Tu es folle, tu es impossible. Waouh, tu es en train de te préparer ? Tu sens bon et tu es bien habillée. Au fait, où va-t-on ? Ouais. Mais non, il y va tout seul. Pourquoi irait-il tout seul ? Nous sommes prêts aussi. Oui. Alors, où vas-tu ? Hey. Écoute-moi ! Dis-nous ! Ariane, où est-ce que tu vas ? Je vais te le dire. Il va au musée. Je pense plutôt qu'il va rencontrer ses amis. Impossible ! Il va au temple. Pas Mais vrai ? Non, il n'y va jamais. Du moins, pas tout seul. J'ai rendez-vous avec Sanchi, oh, content. Un rendez-vous secret. C'est parfait. J'en étais sûre, je le savais. Vraiment? Et vous faisiez donc semblant de deviner, pas vrai? Bien sûr. S'il vous plaît, ne le dites à personne, je vous en prie. En fait, la famille de Sanchi ne veut en aucun cas qu'on se rencontre avant le mariage. Mais Ariane, notre famille n'a aucun problème avec le fait que vous vous rencontriez. Pourquoi le caches-tu à notre famille? Pour le bien de Sanchi. En fait, je ne veux pas que Sanchi ait des ennuis à cause de nous. Si d'autres personnes l'apprenaient, même sans le vouloir, ils pourraient les bruiter, c'est sûr. Tu as raison. Priyanka, Sanchi ne doit pas se retrouver dans une situation inconfortable à cause de nous. D'accord. Ok, nous ne dirons rien. Moi, je suis vraiment très heureuse de voir que notre Ariane se préoccupe du bien-être de sa future épouse. Tu mérites des félicitations. Continue comme ça. Il a des choses à t'apprendre. Et que devrais-je apprendre de lui ? Arrêtez. Attendez que je parte, les tourtereaux. Vous vous disputerez après. Oui, attends un peu. Voilà, parfait. Écoute, beau-frère, tu me tiens informé, d'accord ? Autre chose ? Non. Allez, c'est bon, vas-y. Bye. Mais que dois-je apprendre de lui ? C'est lui qui apprend tout de moi. Allez, hein ? Attends un peu. Vas-y, relax, il faut te détendre un peu, grande sœur. Tu ne vas pas rencontrer un simple étranger, mais ton futur époux. Oui, mais si quelqu'un l'apprend ? Ne t'inquiète pas, personne n'en saura rien. Dépêche-toi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages à cause de la foire artisanale au centre d'exposition. Oui. Merci. Allez, vas-y, sinon tu seras en retard, allez. Koussoum, je m'en vais. Belle-sœur, attends, je vais y aller avec toi. Waouh, c'est très gentil de ta part, Koussoum. Mira sera très contente de te voir. Écoute, il faut que tu te dépêches. Ces jours-ci, il y a des embouteillages autour du centre d'exposition. À cause de l'exposition artisanale, justement. Écoute, j'ai entendu dire qu'on y trouvait de très belles pièces. Si tu trouves de jolies choses, on en prendra pour les enfants. Quoi ? Pourquoi seulement pour les enfants ? Qu'avons-nous fait donc de mal ? À quoi pensez-vous, monsieur ? Comment vous vous appelez ? Vous êtes là pour un rendez-vous ? Si oui, prenez une rose. Une rose rendra votre rendez-vous beaucoup plus romantique. Non, monsieur, je ne suis pas là pour un rendez-vous. Je viens ici souvent. En plus, il n'y a aucune femme à qui je pourrais en offrir une. Monsieur, les femmes aiment les roses, voyons. Salut. Salut. Tu es très belle. Merci. Tu n'es pas mal non plus. Je te remercie. As-tu eu des soucis avec les embouteillages en venant ? Non, je n'ai eu aucun problème. Mais j'ai dû mentir à tout le monde chez moi. Et toi ? Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un ? Je l'ai dit à mon frère et sa femme. Mais ne t'inquiète pas, ils ne diront rien.
On peut y aller ? Au fait, tu sais, j'aime beaucoup les roses. Vraiment ? Attends une seconde. Monsieur, monsieur. Tenez, je les prends toutes. Monsieur, je vous ai pourtant bien dit de prendre les roses. C'est la première fois, c'est pour ça, je ne savais pas. C'est pour toi. J'aime les roses, mais pas autant. Tu en as acheté tout un pot. Eh bien, c'est pour que tu puisses en choisir une qui égale ta beauté. Tu sais, toutes les roses sont belles. Mais la plus belle est celle qu'une personne spéciale nous offre. Juste une minute. Merci. Non, ça va. Eh bien, allons-y. Hé, Chandra ! Mira ! Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien. Et toi-même ? Je vais bien. C'est si bon de te voir. Oui, comme tu dis. Ça fait longtemps, hein ? Ah, ça, tu peux le dire. On ne s'est pas vu depuis des années. Tu n'as pas changé du tout, ma belle. Merci. C'est grâce aux instituts de beauté. On peut y aller ? Oui, allons-y. On y va ? Tu sais, l'autre jour, tu as très bien conduit la moto. J'étais totalement impressionnée. Toi aussi, tu conduis très bien. Et tu sais à quoi je pense depuis ce jour-là ? À quoi ? Un jour, nous ferons la course, l'un contre l'autre. Vraiment ? Je pensais aussi à la même chose. Je pense qu'on devrait faire une course. Vraiment ? Vraiment. Mais où ? L'autoroute de Jaipur. Je pense que c'est cool là-bas. Parfait. Écoute, allons par là. Allons là-bas, il y a de belles échoppes par là. Oui, regarde, il y a une belle échoppe par là. Tu aimes quoi d'autre à part la moto ? J'aime les sports d'aventure. Vraiment ? J'aime aussi les sports d'aventure. Qu'est-ce que tu aimes d'autre ? J'aime aussi beaucoup la musique de Bollywood, tout comme toi. Et ? Et j'aime Deepika, tout comme toi. Quoi d'autre ? Et aussi, j'aime ton... Tu aimes quoi ? J'aime ta façon de respecter les aînés. Quoi ? Oui, vraiment. Je veux dire, je veux montrer mon respect aux aînés. À ta mère, à ta grand-mère, à ton père. Sanchi, tu n'as pas besoin de parler ainsi. Tu peux leur parler comme tu parles à ta famille. Je sais, je peux. Mais un grand homme a dit un jour que chacun devrait faire ce qui apporte du bonheur à son cœur. La princesse Rupmati est tombée amoureuse d'un garçon ordinaire appelé Karamvi. Chaque fois qu'ils devaient se rencontrer, Rupmati attendait à la fenêtre de l'angle du fort. Le mur du fort était si haut que seul un oiseau pouvait l'escalader s'il était amoureux. En escaladant ce mur avec beaucoup de peine, Karamvir avait l'habitude d'aller voir la princesse.
Ainsi, lorsque Karamvir arriva un jour, Rupmati lui dit que son mariage avait été fixé avec un autre garçon. Il n'y avait plus d'espoir pour eux. Karamvir escalada le mur et amena Rupmati à lui. Et ils s'échappèrent. Jusqu'à ce jour, personne ne sait où ils partirent. Mais les gens disent qu'ils vécurent heureux pour le restant de leur vie, dans un autre royaume. Tu sais, lorsque j'étais élève, j'étais très enthousiaste à l'idée de fuguer et de me marier. Pourquoi tu ris? Tu n'as jamais eu envie de t'enfuir avec une fille? D'ailleurs, je suis sûre que t'as déjà une petite amie. J'en ai eu une, c'est vrai, mais ça n'a pas duré. C'était un amour à sens unique et je ne pouvais rien lui dire. Dis-moi, tu n'as jamais pensé à faire le mur? Tu as forcément eu un petit ami. Je n'ai trouvé personne avec qui m'enfuir. Maintenant, j'en ai. Maintenant? Cachons-nous! Ariane, vite! Cache-toi! Mais pourquoi? Ma mère et ma tante sont ici. Oh! Kusum, oui. J'achèterai ceci pour Tanu et Sanchi. C'est beau, n'est-ce pas? Oui. Je pense que je devrais les appeler pour leur demander de nous rejoindre, pour qu'elles choisissent, hein? Oui. Oh! Que vais-je faire? Qu'est-ce que tu fabriques? Bah, je suis en train de me cacher. Ok, on y va. Non, je ne veux pas qu'elle me voie. J'espère que Sanchi est déjà rentrée de l'université. Appelle-la. Elles viendront faire leur propre choix elles-mêmes. Oui, d'accord. On dirait la sonnerie de Sanchi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est exactement la même. Elle serait dans les environs? Ma tante! Arrête ça! Je suis sûre qu'elle est ici. Quelqu'un doit avoir la même sonnerie que Sanchi. C'est possible. Allez, allez, vas-y, on y va, allez. Krishna, pitié de moi, je t'en supplie, viens à mon secours. Fais quelque chose pour moi. Ma tante ne doit pas me voir, s'il te plaît. Mon Dieu, je t'en prie. Je te promets que ça ne se reproduira plus. C'est étrange de voir une personne prier Dieu derrière sa statuette. Arrête de te moquer de ma prière. Parce que Dieu se trouve partout. C'est bon. Dieu vient juste de me donner une idée. Allez, viens. Ariane, où est-ce qu'on va? Il n'y a qu'une seule porte de sortie ici. Ça fait plus de 6 heures. Il n'a pas bougé de cet endroit, pas une seconde. Il fait semblant, mais il doit certainement être perturbé. Mon fils, tu as des soucis. Tu devrais déjà avoir bu ton jus. Tiens. Je le boirai plus tard. Je suis très occupé. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que nous voyons que tu es contrarié. Notre fils est tombé amoureux pour la première fois. Mais la fille finira avec quelqu'un d'autre. Tu dois être vraiment choqué, alors. C'est la même chose pour nous. Une seconde. J'espère que vous n'êtes pas en train de penser que je vais devenir fou pour une chose pareille. Il n'y a aucune chance. Nous ne pouvons rien y faire si Sanchi épouse quelqu'un d'autre. C'est vrai, je suis un peu contrarié, parce que Sanchi avait déjà été choisi par un autre avant moi. Mais c'est tout. Oublie cette fille. Nous en trouverons une autre encore plus jolie et intelligente. Maman, nous en reparlerons plus tard. Je dois finir ce travail, s'il te plaît.
sais quoi, Sanchi? J'ai toujours voulu avoir une moustache pareille. Tu as un problème avec celle-là? Excusez-moi. Madame, est-ce que ceci est à vous? Non, monsieur, il n'est pas à moi. C'est pas vrai, t'es fou! Et si ma tante nous avait reconnus? Je voulais juste tester cette superbe moustache. T'es sérieux? Oh mon Dieu! On aurait pu se faire prendre! Impossible, puisque ton Dieu était avec nous. Merci, mon Dieu. Allez, on y va. Allez, vite. Elle ne doit pas nous voir. Et tu la trouves comment, alors, cette belle moustache? Ça suffit, on y va. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu une exportation si énorme. Si la livraison n'est pas faite à temps... Nous allons livrer à temps. La production est sûrement déjà en cours. Ce n'est pas juste une question de temps, mais la qualité aussi. Les Européens sont très méticuleux sur la qualité et surtout, à la moindre erreur, ils seraient prêts à renvoyer toute la marchandise. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que nous sommes les meilleurs, et ils ne peuvent pas trouver une si bonne qualité à un tel prix. C'est exact. Pourquoi es-tu si inquiet? Eh bien, la raison, c'est que cette commande est vraiment très importante pour nous. Papa, je suis d'accord avec toi, mais nous avons déjà eu à le faire par le passé. Ce n'est pas la première fois. C'est vrai, mais cette fois, c'est vraiment différent. Différent, c'est-à-dire? Je veux dire... Stop! Arrête de reprendre mes mots au lieu de m'écouter simplement. Je veux que nos produits se répandent dans toute l'Europe, mais pour cela, nous devons être absolument en règle. Sinon, la renommée que nous avons construite pendant de nombreuses années sera complètement détruite. Est-ce que tu peux le comprendre? Oui, papa. Tu devrais appeler Ariane pour lui expliquer tout cela. Il est sur le point de se marier, donc il aura plus de responsabilités. Papa? Il ne viendra pas aujourd'hui. Pourquoi? Où est-il? En fait, j'ai oublié de t'en parler, hein. Mais t'inquiète pas, d'accord? Je lui ai déjà donné du travail. Tu entends? Ton neveu ne vient jamais au bureau, mais il part toujours en vadrouille. Bien sûr que non, mon frère. Rassure-toi, Ariane viendra à partir de demain. Ok, nous verrons bien. S'il viendra demain, comme tu dis... Que maman et ma tante ne t'ont pas aperçu? Oui. En fait, non. Je sais pas. Mais elles ont entendu ma sonnerie, ça je le sais. Du coup, je suis presque sûre qu'elles s'en doutent. Tu devrais remercier le ciel. T'as pas à t'inquiéter, d'accord? T'en es vraiment sûre? Qu'est-ce que je vais faire quand ma tante voudra me poser des questions? Tu n'aurais qu'à lui dire? Pas la peine. Je saurai quoi lui dire. Oui. Nous C'est avons vrai. Passé un bon moment. Ma tante. Ah oui. Ah, c'était magnifique. Waouh, vous avez acheté plein de choses. Oui. Cette exposition vous a fait du bien. Votre tante a choisi des articles pour vous. Sanchi, dis-moi, est-ce que tu étais au centre d'exposition après l'université? Ma tante, je... Non, ma tante, je n'y étais pas. Pourtant, j'ai vraiment eu l'impression que tu y étais, ma fille. Ça doit sûrement être une erreur. Sanchi n'a pas quitté l'université. Je suis allée la rejoindre après le collège et ensuite nous sommes rentrées ensemble. Belle sœur, tu vois, quelqu'un avait sûrement la même sonnerie que Sanchi. Oui, ça doit être certainement ça. Donc aucune d'entre vous n'a pu prendre mes appels, n'est-ce pas? Vous étiez tellement occupée à bavarder, c'est donc cela. Venez, venez voir ce que nous avons acheté. D'accord, ma tante. Tanou, je me sens très mal de leur avoir menti à toutes les deux. Pourquoi je ne cesse d'accumuler des mensonges? C'est parce que tu ne veux pas blesser maman, c'est tout. Ma tante et mon oncle, eux, ne s'opposent pas au fait que tu vois Ariane. Donc, s'il te plaît, cesse de t'inquiéter autant. Allez, maintenant revenons à ce qui est le plus important. Raconte. Comment était ton rendez-vous avec ton charmant Ariane? C'était bien. Très bien.
Tu n'as pas à te sentir coupable. Tanou, comment pourrais-je avoir l'esprit tranquille après avoir menti à ceux qui m'aiment et qui ont autant confiance en moi? Je leur ai volontairement menti à toutes les deux. Pour une raison aussi banale. Oui, Priyanka? Sushant, grand-mère n'a plus de médicaments. Je t'ai envoyé l'ordonnance pour en acheter. Ok. C'est vraiment urgent? Non, non. Tu peux attendre ton retour pour les ramener. D'accord. Autre chose? Et rien d'autre. Beau-frère est revenu de son rendez-vous galant. Une seconde. Je vais lui parler. Attends. Beau-frère? Attends, Sushant. Mon frère, tu es très beau aujourd'hui. Tu avais rendez-vous? Qui était l'heureux élu? Hé, hey, t'es bête ou quoi? Avec Sanchi, bien sûr. Avec qui d'autre ça pourrait être? Allez, faisons une chose. Passe-lui donc le téléphone. Dépêche-toi, allez. Pas question. Je mets le haut-parleur. Maintenant, dis-nous. Comment était ton premier rendez-vous? Oui, Ariane, raconte. Comment ça s'est passé? C'était bien. Ça aurait été encore mieux si la tante et la maman de Sanchi n'y étaient pas. Nous avons eu du mal à nous échapper. Ton premier rendez-vous était quand même bien mouvementé. Eh, il ne s'agissait pas d'un rencard, c'est un pur hasard. Ah, d'accord, c'était pas un rendez-vous? Non, pas du non, tout. Pas un rendez-vous. Pas un rendez-vous. C'est pas vrai, c'était bien un rendez-vous. Alors dis-moi, est-ce que quelque chose a mal tourné? Est-ce que tu lui as dit une bêtise? Mon frère, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas un bad boy, je suis un gentleman. Je sais très bien comment parler aux filles, ok? Tout s'est très bien passé avec Sanchi. Je peux même dire que c'était super. Vraiment? Ariane? Ma tante est là. Ariane, c'est vrai? Tu avais un rendez-vous, hein? Ma tante, en fait, il est allé faire un travail pour le bureau. Et il vient juste de rentrer. Maman, tu connais bien Ariane, enfin. Il déteste par-dessus tout bosser au bureau. Exact, c'est la raison pour laquelle il sort très souvent. Vraiment? Ah, très intéressant, c'est une grande nouvelle. Tu es de plus en plus intéressé par le travail, n'est-ce pas, mon fils? Très bien. Remercions Dieu. Merci, mon frère. Le plaisir est pour moi. Ok, bye. Belle-sœur a choisi cette robe pour toi. Comment tu la trouves? Très jolie. Nous avons aussi acheté des boucles d'oreilles. Ça ira bien avec la robe. Elles te plaisent, n'est-ce pas? J'ai aussi acheté des bracelets. Maman et ma tante ont fait tous ces achats uniquement pour moi. Et moi, je leur ai menti. Regarde. Qui est-il? Tu as l'air toute pensive. Les boucles, je les admirais. Tu es contrariée à cause de ce que ta belle-sœur t'a dit? Non, maman. Sanchi, écoute, ce n'est pas sa faute. Tu sais, cette sonnerie était exactement comme la tienne. Eh bien, elle pensait que tu te trouvais sûrement là-bas. Tu ne nous aurais jamais menti si tu y étais vraiment, n'est-ce pas? Maman! Ton père est ici? Il est rentré bientôt. J'arrive! Qu'y a-t-il? À entendre ta voix, on dirait qu'il y a un souci. Est-ce que tu leur as dit la vérité? Non. Ariane, pour être honnête, je m'en veux de leur avoir menti. Je peux comprendre. Mais tu dois avouer que c'est amusant de se voir en cachette comme ça. On devrait le refaire, non? Non. Je suis désolée, Ariane. On ne pourra plus se revoir avant notre mariage. Sunny, 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 s
Sanchi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai fait une bêtise, c'est ça? Non, Ariane, pas du tout. Au contraire, je suis contente de t'avoir vue aujourd'hui. Mais je m'en veux tellement d'avoir menti à ma famille. Ariane, tu sais, je me sens coupable d'avoir fait une chose pareille. Ma famille me fait entièrement confiance. Et moi, je n'ai pas hésité à les décevoir. Ariane, tu n'as pas à t'en vouloir. Toute cette histoire, ce n'est pas de ta faute, d'accord? Je suis vraiment... Sanchi, je respecte ta décision. En fait, je suis content de savoir que ma future femme est une personne honnête. On ne se verra pas si c'est ce que tu souhaites. Mais bon, il n'y a aucun inconvénient à parler au téléphone de temps en temps, n'est-ce pas? Tu sais, Monsieur Graham a inventé le téléphone pour des personnes comme nous. Exact. Il a bien anticipé le fait que nous en aurions besoin. Alors, partenaire? Partenaire. Partenaire au téléphone. Cool. Merci, Ariane. Je savais que tu allais me comprendre. Mais j'avais peur de t'en parler. Et si ce n'était pas le cas... Tu dois savoir que je ne suis pas du genre à harceler quelqu'un. Et moi non plus, d'ailleurs. Je ne suis pas une fille irritante. Ma sœur, dépêche-toi. Mon oncle et ma tante sont en train de jouer aux caramboles. Viens vite, c'est super. Waouh, attends, j'arrive. Oui, allez. Ariane. Oui, j'ai tout entendu. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant à jouer un match de carambole? Eh bien, parce que les adversaires sont papa et maman. Avec eux, ce n'est pas juste un simple jeu. Ça s'achève toujours par une bagarre. Voilà ce qui est amusant. Je peux y aller? Oui, bien sûr. Plus tard, tu me diras qui a gagné, ok? Oui, évidemment. À plus. Bye. C'est bon. Je regarderai moi aussi ce match. Un jour... T'en es sûr? Tu veux vraiment jouer contre moi? À toi d'y penser. Tu es sûr de vouloir accumuler encore plus de défaites? J'ai perdu la dernière fois simplement parce que... j'avais mal aux doigts. Les perdants arrivent toujours à trouver de bonnes excuses. Vraiment? Alors tiens-toi prête. Tu vas perdre cette fois. Pourquoi es-tu si nerveux? Place au champ de bataille. Vous feriez mieux de vous calmer. Du calme! Eh bien... De toute façon, c'est juste un jeu. Vous vous battez, on dirait de vrais ennemis. Que ce soit juste un jeu ou une guerre, une chose est sûre, je gagnerai. Oui, belle-sœur, toute personne qui ose me défier est considérée comme un ennemi. Regarde, belle-sœur, et savoure un peu ma victoire. Ma tante... Tu peux jouer aussi. Oui, viens. Ne te contente pas de regarder. Promets-moi juste une chose. Que personne ne trichera cette fois-ci. Bien sûr que non. Y a-t-il des tricheurs ici? Tu suspectes quelqu'un parmi nous, c'est ça, hein? Elle soupçonne tout le monde ces derniers jours. Elle est le shérif de la maison. Ce n'est pas juste. Je vous ai clairement dit que je ne suspectais pas Sanchi, d'accord? J'ai juste entendu une sonnerie similaire à la sienne et j'ai donc pensé qu'elle se trouvait à cet endroit. Kusum, dis-moi, tu as eu l'impression, comme moi, que Sanchi n'y était, n'est-ce pas? Oui, j'ai ressenti cela. Alors ça signifie que vous hallucinez toutes les deux? Donc ma tante serait alors... le shérif Holmes. Et maman, le docteur Watson. Ma tante, pardonne-moi. Pourquoi, ma chérie? Parce que je t'ai menti. En fait, je vous ai menti à tous. Thank you.
toi aussi, papa. Je suis désolée. J'étais à l'exposition aujourd'hui. C'était bien la sonnerie de mon téléphone. Je vous ai menti à tous. J'y étais pour voir Ariane. Ma tante, je suis vraiment désolée. J'ai commis une grave erreur. Je vous ai désobéi et en plus, j'ai osé vous mentir. Mais j'ai dit à Ariane que nous ne pourrons plus nous voir avant le mariage. Pas une seule fois. Ma tante, je suis désolée. Sanchi. Ma chérie. Regarde-moi. Je suis très très fière de toi. Écoute ma fille. Tu as eu le courage de nous dire la vérité, c'est le plus important. Le plus difficile est d'avouer ses erreurs. Et tu as été très courageuse de nous dire la vérité, ma chérie. Tu as été honnête envers nous. Tu nous as prouvé aujourd'hui que tu es une fille courageuse et sincère, mon enfant. Ты перестал, ты перестал, садись.